The Enrichment Center. We believe that a highly motivated test subject can carry out rather complex tasks while enduring the most intense. La Orange Box, c'était quand même une putain de compilation de grands psychopathes. C'était une excellente affaire. Voilà, c'était l'affaire de 2007, tout simplement. Comme vous le voyez, ça reprenait Half-Life 2 et ses deux extensions, ses deux add-ons, l'épisode 1 et l'épisode 2 qui venaient tout juste de sortir le même mois, Portal et Team Fortress 2, et lui aussi, il venait tout juste de sortir. C'est rien que pour Team Fortress 2, ça valait déjà le coup de claquer 50 euros, vous voyez, rien que pour un jeu. On en a 5. Non mais je veux dire, faut en parler, faut le dire, faut le redire, faut le rabâcher parce que c'est quand même vachement rare. Voilà, Valve, ils ont vraiment été super sympas sur ce coup-là. Parce que sérieux, on voit pas ça tous les jours. 5 très bons titres au prix d'un jeu unique. C'est rarissime. C'est rarissime, surtout de nos jours, où quand même t'as de plus en plus de recyclage un petit peu partout, hein, avec évidemment en champion du monde Nintendo, Square Enix, hein, parce que les FF, vas-y que je te ressors les anciens FF 50 fois sur toutes les consoles avec une mini rehausse graphique. Voilà, c'est. Alors que quand tu vois ça, quoi, sérieux, sérieux, ou même quand tu vois Ocarina of Time qui va arriver sur la 3DS. Et en fait, c'est quoi? C'est juste Ocarina of Time. On bave tous devant alors que c'est juste Ocarina of Time, hein. C'est quand même un jeu qui a 13 ans, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est... Mais ouais, moi, le premier, je vais l'acheter comme un abruti parce que c'est Ocarina of Time, parce que, oui, il y a le coup de pouvoir avoir avec l'effet de 3D relief, avec la profondeur de la 3DS, les graphismes un petit peu remaniés, tout ça, mais s'ils étaient vraiment, on va dire, s'ils avaient un tant soit peu de... Comment dire, de déontologie, je sais pas comment dire, mais ils devraient nous foutre les anciens Zelda avec, les deux premiers de la NES, un petit Zelda 3, les épisodes portables, pourquoi pas inclure Majora's Mask dedans, vous voyez, je veux dire, voilà, mais non, nous on vous donne seulement Ocarina of Time, hein. Pour les autres, faudra encore une fois raquer plein pot. Non mais c'est dingue, il faut pas que je crie parce que aujourd'hui j'ai la voix très très faible, attention. Là, je ressors d'une semaine d'une espèce de super angine, hein, du genre très méchant. Donc, il faut que je parle doucement. D'ailleurs, j'ai rapproché un petit peu le micro de ma bouche. Voilà, on va essayer de parler doucement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse dans toute cette compilation? Eh bien, c'est le jeu qui m'a surpris à l'époque. C'est le jeu qui m'a totalement subjugué. C'est le jeu auquel je n'attendais rien. Et je pense que je n'étais pas le seul. Moi, si j'ai acheté la Orange Box en 2007, c'était le jour de sa sortie, hein. Je l'attendais vraiment. Mais je l'attendais pas pour Portal. Portal, on avait juste vu quelques trailers. On pensait que c'était un espèce de concept, un machin auquel on allait jouer 15 minutes et puis basta, quoi. Bye bye, Portal, c'était fini. En fait, moi, c'était comme ça que je voyais la chose. Moi, je l'avais pris pour Team Fortress 2. C'est pour ça que je l'ai pris en priorité. Après, un petit peu pour l'épisode 2 de Half-Life 2, mais vraiment, c'était d'abord pour Team Fortress 2. Et le plus marrant, c'est qu'en fait, le seul jeu qui m'aura réellement marqué, c'était celui auquel j'attendais rien de cette compilation. Portal ! C'est ça qui est dingue ! D'ailleurs, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis très longtemps, vous pouvez voir que à l'époque, je vous avais fait une vidéo de Portal. C'était pas une vidéo test parce que vu que j'avais pris la Orange Box sur PC, je n'arrivais pas à bien capturer sur PC, donc j'étais resté sur cet écran titre, l'écran titre que vous voyez actuellement. Je vous avais seulement donné mon ressenti durant 4-5 minutes et après je vous avais fait un final boss plus ending. Bon, c'était peut-être pas l'idée la plus intelligente que j'ai eue, hein, de faire un final boss plus ending de Portal seulement quelques jours après sa sortie. Parce que ouais, c'était vraiment quelques jours après. Il n'y avait pas encore eu tout le buzz de Portal qui est venu par la suite, hein. Moi, quand j'ai fait la vidéo, c'était quoi? Ça devait être moins d'une semaine après la sortie de la Orange Box. Franchement, on ne parlait pas de Portal à ce moment-là. Je vous assure, hein. Donc moi, j'ai fait ma vidéo parce que je voulais faire connaître Portal, quoi. À ce moment-là, je dis... Voilà, si vous regardez cette vidéo, vous verrez que je dis que c'est un jeu qui m'a marqué et tout, que je m'attendais pas à ça, et voilà. Et après, il y a eu tout le buzz dans les mois qui ont suivi. Portal s'est révélé être vraiment
un jeu à part entière. Bien sûr, malgré sa durée de vie, mais ça on le savait, vu que c'est pas vraiment un jeu en même temps, c'est plus un concept. Et donc là, je suis vraiment content aujourd'hui, parce que moi, j'ai racheté la Orange Box sur la 360, là on se retrouve sur Xbox 360. Bon, j'ai fait le gros abruti une fois de plus, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, il existe Portal Still Alive, qui est en fait un portal version améliorée, c'est-à-dire avec quelques maps supplémentaires, quelques niveaux supplémentaires, bah, qui est disponible seul sur le Xbox Live Arcade. Donc j'ai vraiment fait n'importe quoi, j'aurais pu l'avoir pour, je crois qu'il a 1200 points Microsoft. Et moi j'ai fait l'abruti, j'ai fait le gros con, je me suis racheté carrément la Orange Box, alors que je voulais seulement vous présenter Portal. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, comme ça dans le futur, je pourrais également vous présenter Half-Life 2, et ces deux extensions. Donc j'ai envie de dire, vous êtes gagnant finalement, voyez. Allez, on commence. Alors que franchement, je suis super content, mais en même temps, je sais pas trop quoi vous montrer, quoi vous dire, quoi vous faire. Le jeu, je l'ai fini. Par contre, je n'ai pas refait les niveaux avancés. Ceux qui connaissent le jeu sauront de quoi je parle, parce que je voulais les refaire, mais je ne m'en souvenais plus du tout. Bah, 2007, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, ça fait presque 4 ans, ça fait 3 ans et demi que j'ai fait Portal, et je dois vous dire que il y a des choses, il y a des éléments de gameplay dont je ne me souvenais plus du tout. Et je me suis dit, bah, on va faire les niveaux avancés, ce qui correspond en réalité au niveau hard du jeu, et bien en vidéo, une espèce de défi, je me suis dit ça. On va faire ça. Bon, on ne va pas commencer par ça, bien sûr, on va d'abord faire un truc classique pour vous montrer. Voilà, on va faire le chapitre 13. En tout, enfin, le chapitre 5, la salle de test 13. Il faut d'abord que je vous explique le principe. Donc, on commence, c'est parti. Pourquoi le niveau 13? En tout, il y a 19 niveaux. Pourquoi le niveau 13? Parce que c'est que réellement dans le stage 13, dans ce niveau 13, que le jeu commence véritablement. Tout ce qu'il y a avant, du niveau 1 au 12, c'est un espèce de gros tuto. C'est un gros tutoriel qui va nous expliquer les principes et les fondamentaux pour réussir à comprendre ce système de portail. Portal, c'est le nom du jeu. Et nous allons créer des portails. C'est pas la même chose. Alors, il faut absolument que je vous explique. Comment vous expliquer? Donc vous voyez, c'est un jeu en vue à la première personne. C'est pas un FPS, parce que FPS c'est First Person Shooter, ou Shooting, je sais plus. Enfin, c'est un jeu où on tire. Bon là, on peut tirer, mais on tire pas avec une véritable arme qui va blesser. C'est pas une arme avec un projectile, quoi. C'est pas une arme à feu. Donc c'est un jeu en vue à la première personne. Et on aura comme... c'est pas une arme, hein, mais comme... comment dire... comme arme, parce que je ne trouve pas d'autres expressions pour appeler cette chose qui nous sert de bras. Voilà, ça va donc nous, on va l'appeler le portail gun, qui va donc nous servir à créer, comme vous voyez, des portails. Il ne peut en faire que deux, ça marche par paire. On peut faire un portail bleu et un portail orange. On peut faire partout, regardez, je peux le faire en bas. Je peux le faire, enfin, pas partout, parce que regardez, on peut par exemple pas le faire sur les vitres, et ni sur les éléments, comme là vous voyez, derrière la vitre, les éléments en fait métalliques. Mais ça vous le verrez par la suite. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces portails? Regardez, si j'en fais un là, ça ne fait pas un trou à travers le mur, ça fait une espèce de portail dimensionnel, qui en fait, il y a une entrée, il y a une sortie. C'est-à-dire que si je passe par là, eh bien, je vais ressortir ici. Regardez, si je passe ici, hop là, je ressors au portail jaune. Et pareil, si je passe dans le portail jaune, eh bien je ressors au portail bleu. Alors là, ceux qui connaissent pas le jeu vont me dire, ah mais d'accord, c'est extrêmement simple, alors ok, d'accord, oui, comme ça peut paraître basique, mais on se rend compte quand même assez vite que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Autre subtilité tout de même du gameplay, c'est que l'on peut prendre des choses. Évidemment, le jeu est basé sur le moteur source, hein, c'est-à-dire sur le moteur de Half-Life 2. Donc évidemment, prendre des choses pour le moteur source, c'est un jeu d'enfant, bien évidemment. On n'a pas le Gravity Gun, mais en réalité, c'est tout comme. On ne doit pas pouvoir projeter des objets, mais on peut, comme vous le voyez, les prendre avec un bouton et les déposer où l'on souhaite. Je vais quand même vous montrer le personnage que l'on incarne en faisant un portail ici et un portail derrière moi. Eh bien oui, forcément. Et du coup, on peut se faire un petit jogging à travers les murs.
C'est excellent quand même. Hein. Non, mais je vous assure, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, mais un truc vraiment de ouf. Alors, j'ai essayé de vous montrer le personnage, sauf que je peux pas vraiment vous le montrer de face. Donc voilà, là comme ça ira. Donc voilà, donc, c'est une fille. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais pas vous expliquer le scénario de A à Z. Moi j'ai envie de dire, vous êtes assez grand. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur internet. Vous allez voir sur Wikipédia, vous allez voir sur n'importe quel site de jeux vidéo. Vous comprendrez. Ici, on est en fait dans un laboratoire. Le laboratoire de Aperture Science. Peut-être que c'est marqué là, tiens. Là, Aperture Laboratories. Donc le laboratoire d'Aperture Science. Ça a une incidence directe sur Half-Life, puisqu'en fait Aperture Science sont les concurrents directs de Black Mesa. Mais c'est assez nébuleux tout ça, hein. C'est pas expliqué vraiment précisément, il faut faire des recherches pour vraiment tout comprendre. Et en fait nous, on est un cobaye. Cette fille, c'est un cobaye. On est ici, on sait pas vraiment ce qu'on fait, on est dirigé par une voix robotisée qui va nous servir de narration. Vous l'avez entendu d'ailleurs tout à l'heure, GLaDOS, une voix féminine. C'est ça également qui ça a fait le succès du jeu, clairement, hein, parce que c'est une IA qui est vraiment, au départ elle nous aide, après elle nous aide moins, on comprend pas trop où elle veut en venir, jusqu'au dénouement final où tout va nous être véritablement expliqué. Mais bref, j'ai envie de dire, trêve de blablatage, et quel est le but? Quel est le but de tous ces niveaux? Donc là, on est dans la salle 13. Le but est très simple. Dans chaque niveau, il faudra réussir à sortir. Tel un rat de laboratoire que nous sommes, nous devons trouver la sortie. Voilà. Et pour nous aider, on a donc le fameux portail gun. C'est tout simple que ça. Donc là, on voit que la sortie, elle est là-bas. Donc premier objectif, il faut dégager d'ici. On voit quand il y a une porte. On voit également que de la porte, il y a une espèce de petits pointillés bleus qui vont jusqu'à ce bouton poussoir, jusqu'à ce que switch, forcément, quand je vais sur ce switch, ça, la porte s'ouvre. Voilà, mais quand je m'en vais, eh bien, elle se referme. Là-bas, on voit qu'il y a un de ces fameux cubes qui aussi sont devenus cultes, hein, au fil du temps. Hop là, il suffit simplement de le prendre, je vais bien sûr le poser sur le bouton. Du coup, la porte en haut restera activée. Hop là, je vais en haut grâce au système de portail et je peux aller dans cette autre pièce. Très simple, très basique. Alors, par contre, il y a plusieurs éléments. C'est pour ça qu'on a un tutoriel long de 12 niveaux. C'est que il n'y a pas uniquement le système de portail. Il y a plusieurs choses à comprendre. Par exemple, il y a la physique qui est prise en compte. Il y a le système, comment on pourrait dire, de propulsion. L'énergie cinétique. Voilà, l'énergie cinétique est prise en compte. Est-ce que je peux vous le montrer ici? Ouais, je peux vous le montrer, regardez. Si je mets un portail là-haut, hop là. Et maintenant, disons que je vais mettre un portail ici. Forcément, je vais tomber. Hop là, je me retrouve là-haut, je tombe. Mais vous avez vu? Quand je retombe une seconde fois, je tombe plus vite. Voyez? Ça, c'est la force cinétique. Hop là, et si j'en refais un, sauf que là, je me suis planté, mais je vais tenter. Je suis tombé dans mon propre portail. Vous allez voir, je vais tenter. Et après, vous inquiétez pas, on va avancer dans le jeu, hein, pas de panique. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que j'ai pas non plus envie de tout vous montrer. Le jeu est très court, le jeu se finit en moins de 2 heures. Donc si je vous montre 1h30 du jeu, ben, vous aurez vu 75% du jeu. Donc c'est très bien qu'on reste dans la même pièce. C'est parfait. Ça vous permettra à vous, ben, de vous faire le jeu par vous-même, sans que moi je vous montre tout. Donc c'est très bien. Donc, d'ailleurs, j'ai envie de dire, on va rester pendant 1 heure dans cette salle. Non, non. Attendez, je veux quand même finir mon discours sur l'énergie cinétique. C'est très important. Donc, je fais le portail là, je retombe en bas, hop là. Là, je le refais. Ah putain, je l'ai fait trop tôt, en fait. Il aurait fallu que je le fasse... On va retenter. Il aurait fallu que je le fasse ici, le portail. Et pas juste sous moi. Hop là. Voilà, vous voyez, là, j'ai réussi. Et du coup, je suis propulsé encore plus loin. Donc, dans cette salle, ça ne sert à rien. Mais dans d'autres salles, ça servira. Donc ici, nous voyons que la sortie est derrière. On voit d'ailleurs un panneau nous indiquant la sortie. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un espèce de mécanisme ici qui envoie, qui fait du ping-pong avec une espèce de boule d'énergie. Voilà, vous le voyez. Le but va être de mettre cette boule d'énergie dans cet autre mécanisme. Tout
tout simplement. Ce qui va en fait ouvrir l'une des premières serrures de la porte, si on peut dire. Donc pour ça, rien de plus simple, vous l'avez compris, il suffit de mettre un portail ici, et un portail en haut, hop là. Regardez, la boule rentre là-bas, la boule d'énergie est rentrée dans le portail orange. Putain, ça va être difficile cette vidéo. La boule d'énergie. Attendez, je vais boire un petit coup là. Ah nom de Dieu, ça va être dur. Ouh, saleté d'angine. Vous voyez, je pensais que c'était fini depuis une semaine. J'étais malade comme un chien pendant 3 jours. Après extinction de voix pendant 3 jours. Et là, depuis hier, ça va mieux. Mais voyez comme quoi, quand on parle vraiment en continu, eh bien on a toujours des problèmes. Enfin bref, vous avez compris, j'ai envie de dire. Si vous avez un cerveau, vous êtes certainement plus malin que moi, parce que moi ça, vous êtes... Alors bien sûr, là, je le fais direct. Mais franchement, je peux vous dire que la première fois que j'ai fait le jeu en 2007, je vais pas vous dire que j'étais bloqué, mais il m'a fallu quelques minutes de réflexion, vous voyez. Eh oui, le Hooper, même s'il a un esprit de déduction peu commun, hein. Vous l'avez compris, la boule d'énergie a fini par atteindre son objectif. Et regardez, les pointillés qui étaient... Ah non, je me suis planté en fait. Ah oui, je vous ai dit n'importe quoi. Je vous ai dit que si la boule parvenait ici, ça débloquerait l'une des deux serrures de la porte. Mais en fait, pas du tout. Parce que regardez, ça n'a rien débloqué du tout. Ça a en fait débloqué la passerelle qui était là. Voilà. Avant, cette passerelle était certainement ici, mais elle ne bougeait pas. Et maintenant... On peut dire qu'on a mis en fait du courant ici, la passerelle bouge, ce qui va me permettre d'attraper le cube qui est au milieu. Parce que juste là, je ne le pouvais pas. Parce que regardez, si j'essaye de faire un portal, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les éléments métalliques, ça ne fonctionne pas. Pareil sur les vitres, pareil sur les trucs comme ça, un petit peu, vous voyez, il faut pas non plus essayer de faire le gros malinois. Pareil si j'essaye ici, sous le grillage, ça ne fonctionnera pas. On peut vraiment que le faire sur les surfaces qui sont vraiment prévues à cet effet. Ça, on le comprend assez vite. Et donc, pourquoi il faut que je récupère ce cube? Eh bien, tout simplement, en fait, je vais vous montrer. Hop là, voilà. Pour atteindre, pour le positionner, pour mettre un cube ici, il me faudra ensuite un autre cube là-bas. Ou alors, je pourrais le faire sans cube. Ça, on verra ça par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un portail là-bas. Hop là. Ensuite, on va aller là. On va faire un portail ici. Voilà, regardez. La passerelle, hop là, elle est descendue. Moi, je suis allé dessus. Je peux maintenant récupérer ceci. Je vais par exemple le mettre là. Je crée un portail toujours en haut de cette plateforme. Et là, regardez, c'est assez marrant. Donc là, j'ai le choix. Regardez, je peux la prendre. Hop là, je peux aller là. Je peux la lâcher pour la faire retomber dessus. Mais il y a un truc plus rigolo à faire. C'est... de créer un portail juste en dessous. Hop là. Et il tombe. Et voilà. Marrant, non? Bah, moi, en tout cas, ça me fait rire. De toute façon, ça sert à rien puisqu'il faut également que j'y aille. Voilà, j'y vais. Maintenant, on va essayer de sauter là-bas. Hop là. On appuie ici. Et du coup, ça s'ouvre. Sauf qu'évidemment, là, si je pars, ça va se refermer. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément aller rechercher le cube qui était dans la première salle. Mais ça, c'est juste si on fait... l'épreuve pour le faire en un nombre de portails défini. C'est une fois qu'on a fini le jeu. Je vous expliquerai ça par la suite. On a des espèces de défis qui se débloquent. Là je m'en moque, il suffit que je fasse ça. Je saute dans le portail et voilà. J'ai atteint l'autre. J'ai atteint en fait le passage derrière la porte. Et là, la voix que l'on entend, donc c'est GLaDOS, cette fameuse intelligence artificielle qui va nous... Oui, qui va nous narrer, qui va nous servir de narrateur durant tout le jeu. Et ça, évidemment, ça fait partie intégrante du succès qu'a eu ce jeu auprès des joueurs. Je dis auprès des joueurs parce qu'il y a quand même quelques sites qui se sont un petit peu... Je considère qu'ils se sont un petit peu plantés quand même, comme ce bon vieux Dr Chocapic chez Gamekult. Pourtant, je l'aime bien, attention, je lui en veux pas ni rien, mais... Je crois qu'il manque un petit peu de sentiment, le Chocapic. Alors, je crois qu'il a mis 4 ou 5 sur 10 à ce portal. Évidemment, le problème, c'est qu'il a...
En même temps, c'est normal pour un testeur. Il a jugé la durée de vie. Et la durée de vie, c'est vrai que le jeu se finit en 2 heures. Enfin, 2 heures en ligne droite et sans faire les défis. Hein. Donc, c'est vrai que d'un côté, je le comprends. Mais putain, c'est tellement... Il y a une putain d'ambiance qui se dégage de ce jeu, nom de Dieu. À travers la bande sonore, à travers tout, à travers l'esthétique du jeu. Ce jeu a quelque chose, les mecs, c'est tout. Ce jeu a quelque chose. Au niveau de l'esthétique, ça me fait penser à Mirror's Edge, vous voyez. Ça, il a un aspect unique. Il a vraiment un aspect unique. Pour moi, Portal est un jeu qui ne vieillira jamais. Vous voyez. Souvent, on dit que seuls les jeux 2D ne vieillissent pas. Ah ben moi, je sais que Portal ne vieillira pas. Alors c'est sûr, c'est pas du super HD, quand on regarde là, c'est sûr, là c'est oui, c'est flou, c'est pas très 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 joli, mais on s'en tamponne. Le jeu est beau, le jeu a un véritable cachet et le jeu est unique. Ça le fait. On se croirait dans... Ça me fait... Tout est clean, vous voyez, tout est propre, style, une espèce de bloc chirurgical. Moi je trouve ça géant, moi je trouve ça génial. Moi je me ressens à 100% là-dedans. Et c'est aussi pour ça que j'ai adoré le jeu, voyez. Même si là, je dois quand même vous avouer que, en refaisant le jeu sur la 360, bon, la claque a été bien moindre que sur PC en 2007, voyez. Sur PC, j'étais vraiment à fond dans le truc. Mais je pense que quand on joue sur PC, je sais pas ce que vous en pensez, quel est votre point de vue là-dessus, mais je pense que quand on joue sur PC, on est... Putain. On s'immerge plus facilement... dans le jeu, voyez, on réussit plus facilement à se prendre au jeu, vraiment à se mettre dans l'ambiance du jeu. Et il y a que nous et le jeu en fait, et tous les éléments extérieurs, ben on n'y fait pas gaffe quand on joue sur PC, je parle. Après, quand on joue sur un écran de télé, c'est pas pareil parce que la télé, elle est plus loin, parce que t'as toujours du bordel à droite, à gauche, t'as un mec qui te cause. Enfin, tu peux jamais être tranquille, en gros. Donc c'est pas la même chose, vous voyez. Je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que je parle par expérience. Sur PC, t'as une immersion qui est plus grande, vous voyez. Moi, j'ai des souvenirs avec des jeux comme The Nomad Soul, en fait, plein de jeux, en fait. Plein de jeux, Portal, mais beaucoup d'autres, où vraiment, où n'importe quel FPS, t'es plus sur PC, je sais pas comment dire, t'es plus dans le bain, t'es plus dans l'action, tu te sens plus impliqué, tu vois, t'es plus dans l'immersion, tout simplement. Sur console avec un écran de télé, c'est plus compliqué, et là je l'ai bien ressenti avec Portal. Parce que Portal, j'étais complètement dans le bain. J'ai pas pu décrocher les trois. Je me suis fait tout le jeu d'une traite en 3 heures, 4 heures. J'ai tout fait d'une seule traite. Là, bon, oui, ok, c'était sympa, mais bon, sans plus. Voilà, sans plus. Bref, on s'arrête là. Alors, donc là, nouvelle énigme. Vous l'avez vu, l'endroit où il fallait passer, c'était en haut. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir aller chercher ce cube. Sauf que là, problème, eh oui, on peut pas créer de portail. Comme vous le voyez. Il y a des éléments métalliques partout. Alors comment on va le choper, ce cube? Eh bien avec ce que je vous ai appris tout à l'heure, l'énergie cinétique. Regardez, je mets un portail ici. Ici, comme par hasard, on va pouvoir faire une chute. Hop là, et voilà le travail. J'ai créé un portail. Un portail, putain, je me confonds entre portal et portail. J'ai créé un portail bleu juste avant, ce qui me permet de récupérer ce cube. Et ce qui va me permettre de continuer ce niveau. Voilà, vous avez compris le principe. On pourrait presque s'arrêter là, vous savez quoi? Franchement, on pourrait presque s'arrêter là. Attendez, je vais quand même vous montrer un truc rigolo. Comment... Ah oui, attendez, d'abord tout à l'heure, je voulais vous montrer un truc que je vous ai pas montré d'ailleurs. Bon, elle est un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. Regardez ses pieds. Elle a des espèces de... sous ses talons, en fait. Sous ses chevilles, sous ses pieds, quoi, tout simplement. Elle a une espèce d'attirail, elle a un mécanisme. Et en fait, je me pose encore la question, à quoi ça sert? Peut-être que ça sert pour pas qu'elle se blesse, parce que quand on tombe de très haut, on se fait pas mal. Hein. Donc c'est peut-être pour nous faire comprendre ça, je sais pas. Mais elle a une espèce d'attirail, comme si elle pouvait sauter, vous voyez, beaucoup plus haut, un petit peu à la tigrou, je sais pas. Oh d'ailleurs, il faut pas chercher une animation extraordinaire au niveau du saut quand on saute et tout. D'ailleurs, regardez, il y a un gros bug... de texture en hauteur, elle se prend la tête à chaque fois. Si je saute, elle se prend à chaque fois la tête évidemment dans le mur, mais
Est-ce qu'on peut en vouloir pour ça? Bien sûr que non, puisque ce jeu-là n'est même pas un jeu. C'est un concept. C'est une espèce de bonus. C'est un cadeau qui était dans la Orange Box. Alors bien sûr que non, qu'on ne... Enfin, je veux dire, moi, je pardonne tout à ce jeu, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a un truc marrant, c'est que, regardez, si on fait le truc... Si on fait un portail en haut, d'ailleurs, du coup, on se voit comme ça, vu que l'autre portail, il est là. Allez, là, on peut se voir en hauteur, comme ça. Et si je regarde en haut, on se voit de profil. Mais là où c'est marrant, c'est que si je crée un portail en bas, vous êtes prêts? Attention, attachez vos ceintures. Ah, ça y est. Excellent, non? Allez, on leur fait un petit coup. C'est énorme, non? En plus, il y a un succès avec ça, que j'ai pas encore fait. Peut-être qu'on va tenter de le faire. Là, faites une chute de 9000 mètres. Donc, je pense que... T'sais, j'ai bien envie de tenter, là. Vous savez quoi? J'ai bien envie de tenter. Faites une chute de 9000 mètres. Ouais, mais je sais... Remarque, allez, on tente. Bon, allez, on tente, allez. Hey. Par contre, il faut pas s'arrêter. C'est ça, le truc. Et vu que quand même, quand on tombe comme ça, on bouge un petit peu, vous voyez. Donc il faut toujours se remettre vraiment au milieu. Sinon, on va s'arrêter un moment. Parce qu'on va toucher la paroi. Donc il faut réussir, vous voyez, comme ça, à se remettre. Voilà, là on est bien dans l'axe. On va rester comme ça, vous voyez, il faut bien se remettre. On tourne un petit peu. Là, je vais un petit peu vers le bas. On se remet. Là, attention. Oh putain. À votre avis, on a fait combien? Là, on doit être à 1 km, là. Ouais, 9000 mètres, c'est quand même relou, quoi. Ouais, 9000 mètres, c'est quand même relou. Non, allez, on arrête, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, en plus, je vais vous dire, ça m'a donné mal à la tête, là. Là, j'ai mal aux yeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête? Est-ce que je vous montre les niveaux avancés? Est-ce qu'on tente de faire les niveaux avancés? On en est rendu à combien? 27 minutes. Allez, on va quand même finir celui-là. Vous avez vu que là-bas, donc, il y avait... Tiens, pourquoi il y a un effet de particule? J'avais jamais fait gaffe. Tiens, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait un effet de particule. Enfin, si, j'avais fait gaffe, mais c'est marrant. J'ai l'impression que plus on s'éloigne et plus on le voit bien. Voyons. Ah ouais, j'ai l'impression qu'en fait, que cet effet de particule s'intensifie quand on s'éloigne. Enfin bref, on s'en fout. Donc vous allez très vite comprendre. Là, il faut aller de l'autre côté. Pour l'instant, on peut créer un simple portail. Hop là, voilà. Et voilà, ici, il y a encore une de ces fameuses bouboules. Donc il faut créer un portail là. Après, il faut partir de là. Donc attention, parce que là, il y a une espèce de bassin rempli d'espèces de, je sais pas, de l'eau radioactive peut-être. Ça serait bien dans l'esprit Half-Life, ça. De l'eau radioactive. En tout cas, un élément radioactif. Et donc, très simplement... Bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué en même temps. Et vous allez me dire... On va sauter parce que quand on saute, on va un petit peu plus vite, je pense. Hop, 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 hop. Et voilà. Vous le voyez ici. Il y avait encore un de ces fameux mécanismes. Il suffit de créer... je suis planté. Oh putain, je suis planté. J'aurais dû faire le portail bleu. Ah, il faut que je revienne là-bas du coup. C'est pas possible. Quel con. Et parce qu'en fait là, j'ai refait un portail orange alors que je l'avais déjà fait là-bas. Je suis planté. J'aurais dû faire le portail bleu, pas le orange. Parce que là, du coup, en faisant le portail orange là, ça a annulé celui qui était là-bas. Parce que bien évidemment, on ne peut faire que deux portails en tout et pour tout. Hein, vous l'aurez compris. Merde, trop tard. Si on essaye de faire un portail bleu alors qu'il y en a déjà un, et bien ça va faire disparaître le premier portail bleu, bien sûr. Donc là, hop là, ça devrait être bon. On va voir ça. On va voir ça en hauteur. Et voilà. Maintenant on peut passer par là. Hop là. Et ça nous a ouvert le chemin là-bas. Et là on entend GLaDOS. Sauf que non, c'est fini, on l'entend plus. J'aurais dû me la fermer juste avant. Et voilà. Ce qui nous permet de prendre l'ascenseur qui va nous faire atteindre le niveau. Ça doit être le niveau 15, je pense. Ça doit être ça. Bon, est-ce que je vous ai dit le principal sur Portal? Je crois que oui. Alors évidemment, vous l'aurez compris également si je vous fais cette vidéo.
Bon, outre le fait que j'ai envie de vous présenter ce jeu depuis maintenant 3 ans et demi, alors il était peut-être temps, mais c'est évidemment puisque Portal 2, alors je ne sais pas s'il sera sorti quand vous verrez cette vidéo, s'il sera sur le point de sortir. Là, pour tout vous dire, on est le 8 avril, donc Portal 2 sort le 21 avril. Hein. Mais en tout cas, ça sent le Portal 2, ça c'est sûr, il est là. Et Portal 2, je vous cache pas que c'est l'un des titres que j'attends le plus cette année. Je pense que ça va être l'un des grands titres de 2011, si Valve ne sont pas plantés. Mais honnêtement, c'est Valve, quand on voit les trailers, quand on voit que le mode coopération sera extrêmement important, j'attends beaucoup de Portal 2. Je vous le cache pas, parce que quand on voit ce qu'il y a là, avec un simple concept, et que l'on voit le potentiel qu'il est possible de faire avec ça, et qu'on voit que Valve auront mis 3 ans et demi pour créer un véritable jeu, parce que cette fois-ci, Portal 2 est un véritable jeu à part entière, c'est plus un concept, non, non, c'est un vrai jeu. Eh bien là, ça peut casser sa maman en 8, et je dirais même en 9. Vraiment. Portal 2, j'attends les premières critiques. Prions, prions pour qu'il se plante pas, mais c'est impossible. C'est clair que ce jeu va tout démonter. C'est évident. Ce jeu va être une tuerie cosmique. Portal 2. Portal 2. Bon. Allez, je vais juste vous montrer ça. Ben, voilà, là, il faut encore, voyez, se servir de l'énergie cinétique, de l'effet de masse, de l'effet de propulsion. Pourquoi? Ici, vous voyez qu'il y a. En fait, ça, on s'en fout de ce qu'il y a là pour l'instant. En tout cas, là, il y a une vitre. Bon, donc je ne peux pas passer. Et donc, là, vous vous dites peut-être que je pourrais envoyer un portal là-bas, mais non, parce que regardez, il y a une espèce de barrière, une barrière à particules qui m'en empêche. Et quand j'essaye d'envoyer un portal, que ce soit le bleu ou le jaune, eh bien ce portail disparaît à cause de cette barrière. Donc il faut trouver un moyen. Par contre, moi je peux y aller. C'est-à-dire, l'humaine que l'on dirige, la fille, elle peut passer à travers cette barrière. C'est juste les portails qui ne peuvent pas. Et donc en fait. Bon, là, on a quand même un gros indice parce qu'ils nous mettent carrément ça. Il suffit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on met un portail ici, on le met ici, on va glisser, hop là, on le refait, et voilà. Effet de propulsion de masse, la force cinétique, on est passé au travers. Ce qui nous permet d'atteindre l'autre salle. Ah oui, attendez, je vous montre au moins celui-là, parce que là, franchement, j'en ai chié ici. Oh putain. Ici, c'est peut-être le premier endroit où vraiment j'ai mis de très. Très très longue minute à comprendre ce qu'il fallait faire. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Alors, d'abord, analysons la situation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme d'hab, un de ces fameux mécanismes qui envoie une boule d'énergie, voilà, qui ricoche sur le mur d'en face. Ok. Ah oui, vous verrez également ceci. Hein. Dans chaque salle, on a une caméra comme ça. Qui nous observe. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? On peut les casser, mais écoutez ce qui se passe quand on les détruit. Pour votre sécurité, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Voilà, c'est GLaDOS, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui nous indique que c'est pas bien. D'ailleurs, je pense que si j'essaye de passer à travers avec ça, ça va le désintégrer. Mais je suis pas sûr, voyons. Eh ouais, ça l'a désintégré. Mais nous, voyez, on peut passer à travers ces portails. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est évidemment, vous l'aurez compris, réussir à emmener cette boule d'énergie dans le mécanisme qui se trouve ici. Donc, au départ, on se dit, ben, c'est très simple. Je mets un portail ici, et puis je mets un portail là-bas. Sauf que non, parce que, comme je vous l'ai dit... Enfin, non, je ne vous l'ai pas encore dit. Pour l'instant, vous savez seulement qu'on ne peut pas envoyer de portail à travers cette barrière. Mais... Ce qui est également très important, c'est que regardez, quand moi je passe la barrière, eh bien ça désintègre les portails que j'avais déjà fait. Ce qui fait qu'en fait je ne peux pas mettre un portail ici, je ne peux pas le mettre en haut pour faire en sorte, mais également si je passe et si j'en mets un, ça ne sert à rien puisque celui que j'aurais créé là-bas va disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors là, alors comment on ferait? Est-ce que là vous avez déjà compris comment faire? Je vais vous dire un truc, très honnêtement. Si là, vous n'avez pas fait le jeu, bien sûr, et si vous ne connaissiez pas le jeu, et si vous avez compris comment faire, honnêtement, vous êtes balèze. Pour ma part, hein, moi, je considère que là, vous êtes vraiment balèze, parce qu'à ce stade du jeu, moi, je n'avais pas compris. Vraiment, j'ai passé quand même un long moment, j'ai eu un long moment de réflexion ici pour comprendre. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est
faire un portail d'abord ici, voilà, pour faire en sorte... Attends, on va plutôt le mettre là. Quoi que ça, allez, merde, parce que... Ah ouais, du coup, elle va disparaître, c'est pas grave. Parce que les boules d'énergie, quand elles ne rentrent pas dans un portail, au bout d'une dizaine de secondes, elles disparaissent. Mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, elle entre là-dedans. Et maintenant, vous voyez, je rentre moi-même là-dedans. Et du coup, je vais pouvoir... Vous allez voir quand le ricochet aura eu lieu. Attendez. Ah oui, parce qu'en fait, il faut se manier. C'est ça? Ah oui, oui, c'est ça. Il faut se manier. Eh oui. Eh oui. Il faut se manier. Donc, voilà. Il est parti, donc maintenant j'y vais, je fais un portail là, je fais le portail en haut, et voilà, elle rentre là, elle ressort par le haut, elle truc ici. Eh bien ça, ça va peut-être vous paraître facile, mais honnêtement, eh bien il m'a fallu longtemps, moi, pour le comprendre ça. Et donc ce qui a affaissé l'ascenseur qui est ici, et ce qui me permet, hop là, de continuer l'aventure. J'ai bien envie de finir ce niveau, vous voyez, là, vu qu'on y est. Alors, donc ici c'est le même système que tout à l'heure. La force cinétique, sauf que là, ah oui, voilà, non, il y a une différence. C'est que là, ici on a un sol d'acier en fer métallisé, donc on ne peut pas créer de portail. Vous voyez, et le magnifique effet de particules, ça me fait penser aux effets qu'on avait sur les PC. Comment ça s'appelait ? Ah, comment ça s'appelait ? Ah, j'ai un trou de mémoire. 3D Mark. 3D Mark, 3D Mark 2001, tout ça. Vous voyez qui. Et enfin, en fait, c'était un logiciel qui permettait de voir un petit peu la puissance, tout ça, les cartes graphiques, la puissance globale du PC. Mais à chaque fois, on avait des démos. Des démos, et souvent, c'était avec des effets de particules. Et c'est. Enfin, ça me fait penser à ça, voilà. Souvent, ça ressemblait à ça, les démos. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais, donc la particularité, c'est que là, on ne peut pas le faire d'ici, parce que regardez, si je le fais là. Et ouais, je vais atterrir ici. Et vu que je ne peux pas créer le portail là, on se demande comment il faut faire. Eh oui, mais ici on a vu qu'il y avait un passage, c'est pas pour rien. Regardez, on crée passage ici. Et voilà, encore une fois, la force cinétique. Je me suis planté, nom de Dieu. La force cinétique fait le reste. Hop là. Hop là, nom de Dieu, de nom de Dieu. Vous voyez, il faut quand même... Bon, faut avoir de la jugeote. Mais faut également... Allez, voilà, ça y est. Faut également avoir des putains de réflexes, hein, parce que c'est pas évident, vous voyez. Voilà, encore une petite énigme. Alors celle-là, elle est très facile. On voit qu'il y a une boule ici qui est envoyée là-bas. Donc premier objectif, il faut aller de l'autre côté. Il faut une fois de plus se servir, hop là, de la force, hop là, cinétique. Et voilà le travail. Donc ici, on voit que... voilà, on voit que la boule, elle arrive ici. Et elle ricoche là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un portail ici. Et on va faire l'autre portail là. Comme ça, la boule va rentrer là. Elle va ressortir là. Elle va ricocher ici. Et voilà. Et elle va aller s'encastrer dans l'autre mécanisme. Ce qui a activé la passerelle qui est ici. Ce qui nous permet de continuer. Sauf que pour continuer, eh bien, on est obligé de refaire un petit coup de la force. Attendez. Non, non, parce que d'habitude, en fait, je fais pas comme ça. D'habitude, je fais l'orange là-bas et je me sers du bleu. Donc, on fait hop là, et voilà le travail. Et là, ah oui, oui, alors ici, attention, hein, ça va pas être évident. On fait ça, on saute ici, là on crée un portail. Bah alors, oh putain, je suis mal pris là. Voilà. Allez, vite. Non! Oh là 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 là! Je suis dead! Je suis dead! Je suis tombé dans la mélasse! Je suis tombé. Ah, j'avais jamais vu que quand on mourait, on perdait également notre portail gun. Tiens. Ça, je l'avais jamais vu. Mais bref, de toute façon, c'est pas très grave de mourir. Parce que quand on meurt, on a toujours. Regardez. On a des. Oh putain, attendez. Faut que je boive encore. Pas possible ça! Bordel. Ah non de Dieu. Ah je suis désolé. Je fais tout mon possible mais c'est difficile. Le Hooper est diminué physiquement. Donc en fait on va pas faire le Krakoukas. Non. Ce que,
qu'on va faire, c'est... Non. Là, voilà. Allez, on attend que le prochain arrive. Voilà. Maintenant, on y va. Là, on fait ça. On fait ça. Hop là, on saute ici. Là, on se lève. Ici, on fait là. Ça, on fait là. Nickel, on va ici. On se lève. Merde, j'aurais dû le faire. C'est pas grave, on va le faire au sol. L'autre, on le fait ici. On va se jeter là-dedans. Et voilà le travail. Oh putain. Oh putain, non. Oh non. C'est pas une balle. Ah, j'ai pas eu de bol. En fait, ce qui s'est passé, c'est énorme. Encore une fois, c'est à cause de la physique. C'est les lois. Ah, mais c'est pas grave, t'as regardé. Mais pourquoi je suis mort là? Eh? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, je me suis pris la boule d'en haut, ouais. Mais c'est quand même con. Ils m'ont fait le checkpoint, il m'a fait pop sur la boule là où il y a le passage de la boule d'énergie. Oh, attendez. Si on recommence. Oh putain. Hallucinant. Ouais, donc en fait ce qui s'est passé, vous voyez, c'est que étant donné que j'avais créé le portail ici, quand je suis rentré dans ce portail-ci, dans le orange, et que je suis ressorti là, et bien en fait, une fois que je suis ressorti, ben je suis redescendu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le mieux c'est de vous montrer ça avec une caméra. Ah voilà. Vous allez voir. Vous allez très vite comprendre. Regardez ce qui s'est passé. En fait, il s'est passé. Je vais essayer de vous montrer. Non. Voilà. Regardez, je vais prendre la caméra. Et normalement. Hop là. Voilà. Regardez. Forcément. Vous voyez? Ce qui est tout à fait logique. Quand elle arrive là, elle descend. Mais vu qu'elle remonte de l'autre côté. Eh bien, vous voyez? Elle descend, elle remonte, elle ne peut pas faire autrement en fait. Voyez, ce qui est logique. Et quel que soit le... Même si moi je me mettais là, théoriquement, ça ferait la même chose. Regardez, je vais dégager ce truc. Et si moi je vais dedans... Voilà, on est pareil. Voilà, et je ne peux rien y faire. Ce qui est logique. Bref, donc pour finir cette salle... Ouais, là je m'en souviens. Donc en fait, là il y a une boule. Le but en fait est d'ouvrir ce passage là. Parce que derrière, voilà, il y a encore le mécanisme ici. Donc en fait, le but sera. Attendez, on va sauter là. A noter qu'on peut également s'accroupir. Hein. Voilà. Le cobaye peut également s'accroupir. Il faudra faire un portail ici en fait. Et ici. Voilà. Et oula, là, la boule est partie dans toutes les directions, mais c'est pas grave, elle va bientôt disparaître. Voilà, bientôt, parce que quand elle n'est pas absorbée dans un portail, elle disparaît. Voilà, elle est là, et hop, elle va ici. Sauf que là, vous voyez, forcément ça rebondit parce qu'il y a une porte. Il faut en fait actionner ces deux boutons, parce qu'il y en a deux. Il y en a un là et un là-bas, c'est pour ça qu'il faut mettre un portail, sinon on sera pas assez rapide, parce que c'est timé, forcément. La porte ne va s'ouvrir que pendant quelques secondes. Donc, j'appuie sur celui-là. Je vais ici. J'appuie sur celui-là. Je fais la brèche ici. Je fais la brèche ici. Et normalement... Merde, ça n'a pas dû fonctionner. Pourquoi la boule est là-bas? Ah putain, je suis planté. Ouais. J'aurais d'abord dû faire la brèche ici. Parce que là, du coup, la boule est rentrée là-dedans. Mais avant que je fasse le portail bleu, eh bien, la boule était déjà rentrée dans le premier portail bleu qui était là-bas. C'est pas grave, on recommence. On va le mettre ici. L'autre, on va le mettre là-bas. On appuie là. On va ici. On appuie là. Hop là, cette fois-ci, je fais le portail là-bas. Ici, il est pas bien dans l'axe. Je sais pas si ça a fonctionné. Ah putain, j'ai pas été assez rapide. Mais nom de Dieu, j'ai quand même pas faire le krakouka, c'est ne pas y arriver. Hop là. On recommence. Donc, hop là, on appuie là. On appuie là. Ah putain, ça ah, trop tard sur moi, je pense. Quoi, j'ai réussi? Attendez là. Quoi? Mais comment? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Attendez, comment ça a pu fonctionner? Alors là, et vous savez quoi? Il me tarde de voir le montage de cette vidéo. Parce que là, comment
la boule d'énergie a pu aller là-bas. Attendez, c'est hallucinant. Ah non, mais vraiment, hein. Là, c'est juste incroyable. Je n'avais pas encore placé les portails. Comment cette boule d'énergie... Alors là... Enfin, je crois que je n'avais pas encore placé les portails. Qu'elle est... Je sais pas, là, j'ai pas compris. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, le puzzle est bel et bien résolu. Hop là, l'ascenseur s'est affaissé, ce qui nous permet de nous rendre à la sortie. Mais écoutez, je vois qu'on en est rendu à 46 minutes. Donc, finalement, je crois que je ferai une autre vidéo dans laquelle on tentera de faire les niveaux avancés, c'est-à-dire les niveaux hard. Je crois que je vais vous montrer encore un niveau. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là, en fait, pour cette présentation de Portal. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce que... Ouais, on fera une vidéo défi pour l'autre. Voilà. On fera ça en vidéo défi. Surtout que je ne me souviens plus du tout des niveaux avancés. C'est ça le véritable but, parce qu'évidemment, si je m'en souvenais, ça serait pas top, ça serait inutile, où serait l'intérêt. Mais là, ça date de 3 ans et demi, et je vous assure, je m'en souviens plus du tout. Allez, vous savez quoi, on fait cette salle. Putain, ça m'énerve parce que là, vous en avez déjà vu beaucoup quand même. Sérieux. En plus, ah, mais oui, en plus, celle-là, c'est avec les drones, c'est énorme celle-là. Celle-là, elle est juste énormissime. C'est avec les espèces de drones de combat. Qui peuvent parler. Ah, c'est eux là. Alors ils sont super bien faits, regardez-moi ça, avec des effets de reflets. Ils sont juste excellents. Regardez-moi ça. Merde, je voulais pas le faire tomber, il est déjà mort. C'est énorme. Donc, et ensuite, si on veut, on peut l'embarquer. En fait, voilà, il y en a partout. Évidemment, s'ils nous voient, ils nous tirent dessus. Alors, on n'a pas de barre de vie, mais si on se prend une rafale... en continu. Wow, vous voyez, là si j'étais encore resté genre 2 secondes de plus, je serais mort. Hein. Et ensuite, notre vie se régénère, hein, comme dans quasiment tous les FPS actuels. Donc en fait... Ah ouais, je peux pas avancer en fait. Oh putain, il va me tuer là. Oh, là, j'ai eu de la chance. Donc en fait, le but, c'est d'aller derrière lui. On va mettre un portail là, ici, et voilà. Je me retrouve derrière lui. Et là, écoutez. Écoutez ce qui se passe quand je le prends. Bonjour, oh, c'est moi. Cible perdue, à l'aide. Vous êtes toujours là. Hé hey. Recherche, posez-moi. Bonjour. Posez-moi. Non, laissez-moi. C'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment... c'est une narration vraiment particulière. Et donc, pour les détruire, rien de plus simple. Il suffit de les prendre et de les laisser tomber d'assez haut pour qu'ils puissent pas se remettre sur leurs trois pattes. Mais il y a des... Il y a quelques moyens un petit peu plus rigolos de les tuer. Par exemple, regardez, je fais un portail là-bas. J'ai fait un portail sous lui. Et hop là, il tombe. Et du coup, forcément, il tombe là-bas. Mais attention, par contre, quand ils sont sur leur tranche et qu'ils meurent, avant de mourir, ils ont quand même quelques... Vous voyez, on voit quand même l'impact des balles. Hein. Là. Bon, bien sûr, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, évidemment. Je suis d'accord. Donc là, on va vite aller derrière lui. Là, on va le laisser tomber. Boum, boum. Et sur la tranche, tu es mort. Ah, mais attendez, on a bien fait de continuer, parce que là, il y a un truc qui est juste énormissime. Parce qu'en fait, on est un cobaye ici, ok, je vous l'ai dit. Mais on n'est pas le premier cobaye. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on peut lire? Help. Et si on regarde bien sur les murs... Là, on ne voit pas trop. Là, on voit, ici, on voit une empreinte de main. Et là où c'est vraiment énorme, et c'est à partir de là... que j'ai totalement surkiffé ce jeu et je me suis dit putain mais chez Valve franchement il y a des putains de développeurs, il y a des putains de scénaristes qui sont parmi les plus grands du jeu vidéo actuel. Pour moi c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a là? On a un truc et en fait on peut aller à l'intérieur.
C'est un petit peu comme si on voyait l'envers du décor, parce que théoriquement, on n'est pas censé aller là. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, c'est comme si on était dans les entrailles du jeu. Vous voyez? Et ce genre de pièce, il se répétera plusieurs fois dans le jeu. Il n'est pas unique, là. Et ce qui est énorme, c'est que regardez, et écoutez, tiens. Là, il n'y a pas de l'ambiance, je sais pas trop ce qu'il y a. Et donc, c'est là également où on se rend compte qu'on n'est pas seul. Voilà, entre les inscriptions, The Cake, Isolai. Alors, évidemment, maintenant, ça, c'est une phrase qui est devenue culte. Hein. Avec le temps, évidemment, The Cake, Isolai, le gâteau est un mensonge. Ça fait référence à GLaDOS, à l'intelligence artificielle, qui va plusieurs fois nous dire que si on réussit bien, on aura un gâteau, un délicieux gâteau, chocolat. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Vous voyez qu'il y avait déjà d'autres cobayes qui étaient venus, qui ont inscrit des inscriptions ici, peut-être pour nous aider. On le sait pas trop à ce moment-là. Et là, vous voyez, c'était énorme ce qu'on voyait là. C'était carrément en fait une unité centrale. Et là, mais bon, est-ce qu'on peut le dégager ce machin-là? Et ici, une casserole. Ben voilà. Le mec, il faisait cuire en fait sa bouffe, ses conserves. Parce que là, il y a des conserves ici, que l'on peut également prendre. En fait, il faisait chauffer l'unité centrale. C'est énorme! Il faisait chauffer les processeurs de la tour. C'est énorme, non? Enfin, voilà. Donc là, en fait, c'est l'envers du décor du jeu. Et... Non, j'en dis pas plus, sinon je vais spoiler, tout simplement. Voilà, donc on va continuer. Voilà, mais ça, c'est juste énorme, quoi, ce qu'on voit là. C'est juste énorme ici. Mais là, je devrais presque me la fermer, en fait. Donc là, le but, comme d'hab, c'est d'atteindre... C'est d'aller, évidemment, au bout de ce niveau... Donc là, il va falloir réussir à tuer celui-là. Donc comment faire? On voit qu'on a deux caisses. Donc on a plusieurs techniques. Parce que si on veut, on peut quand même réussir à se cacher de ces balles comme ça. Voilà, et là, normalement, il ne nous atteint pas. Et on peut avancer. Mais là, ça ne nous servirait pas à grand-chose. Parce que derrière, il y en a encore un autre. Donc on va se faire shoot de derrière. Le but, c'est... En haut, on a carrément une inscription. Oh là 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 là. Voilà, on a réussi à faire un trou... En haut, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire tomber une caisse dessus. Attention. Boum! Et voilà, il est tombé. Excellent, hein? Voilà, moi je trouve ça tout simplement énormissime. Donc là-bas par contre, on ne peut pas. Parce que vous voyez qu'on ne peut pas. Ah, si, on peut en fait en hauteur. J'ai dit des conneries. Attendez. On va essayer de pas se faire avoir. Hop là. Ah, non, plus vers là. Donc si je fais ça en hauteur, quoique là en fait ça allait, allez, là c'est bon. Donc, hop là, on va refaire la même, on reprend la caisse, hop là, on va les faire tomber sur cette espèce d'animal, et voilà le travail. Allez, on va y aller nous aussi. Par contre attention, donc on va embarquer le cube. Oh putain! Heureusement, c'est les vitres par balles. Bon, là par contre, je crois qu'on peut y aller à la bourre, hein. C'est extrêmement dur. Voilà, on va comme ça. Lui, hop là, on démonte. Lui, on démonte par là, il tombe. Là-bas par contre, c'est un petit peu plus complexe. Et voilà. Ce qu'on va faire, d'abord, on va se débarrasser de lui. Hop là. Il a dû tomber de l'autre côté, il doit être dead. De toute façon, s'il n'est pas dead, c'est pas grave. Donc là-bas, on va faire un trou ici, on le fait là. Comme ça on va pouvoir l'attraper. Hop là, viens par là, je t'embarque. On le pose là. On va le faire tomber là-bas. Ça va être rigolo. C'est fun quand même, sérieux. Me dites pas, c'est fun quoi. C'est tout. Là on voit qu'il y en a encore un. Oh putain. On va le... Bon allez, on va y aller en force. Hop là. Il va le travail, hop là, on se retrouve derrière lui. Posez-moi. C'est énorme ça. Ces drones, sérieux, ils sont énormes.
ces drones mitrailleurs, d'ailleurs que l'on retrouvera dans Portal 2, hein, ils sont juste excellents. Sérieux, c'est énorme quoi. Cible perdue. Attends, je sais ce qu'on va faire. On va s'amuser avec lui. On va faire hop. Hop. Oh putain. Voyons. Oh putain. Ah non, je l'ai tué. Ah, il est mort maintenant. Ah, il est mort. Ah, il est mort. Eh ben voilà. On l'a cassé. Et voilà, et maintenant il nous reste plus qu'à... Oh putain, non, c'est pas fini en fait. Est-ce que si je mets ça, ça va suffire? Ouais, c'est bon, pas la peine de prendre le cube. Ok, c'est très facile. Hop là. Comme d'hab. On met un autre portail ici. On va aller derrière lui. Donc là, on va le faire tomber de là. Putain, j'ai plus de voix. Attendez, petit verre d'eau là. Bon, mais le verre est vide maintenant. Mais c'est pas grave parce que on est à la fin. Je vous en ai largement assez montré. Allez, tu tombes, t'es dead et je crois bien qu'on est arrivé. Voilà, à la fin. Je vous laisse écouter. Le centre d'enrichissement vous rappelle que l'enfer des androïdes vous attend si vous manifestez le moindre signe de protestation. La fameuse voix robotisée de GLaDOS et son ton unique et sarcastique. Bah attendez, je vais aller remplir mon verre parce que sinon je pourrais pas faire de conclusion, je pourrais pas continuer, je suis à moitié mort là. Donc je reviens. Hop là, on remet le casque. Ah, je vous jure les mecs, achevez-moi. Achevez-moi, je n'ai plus de voix. Donc je crois qu'on va vraiment abréger. De toute façon, c'est pas bien grave, puisque je vous ai vraiment montré tout ce que je voulais vous montrer. Je dirais même que je vous en ai trop montré, les mecs. Regardez, on est au niveau 17. Je vous ai montré le 13, le 14, le 15 et le 16 dans leur intégralité. Ce qui est, croyez-moi, déjà trop, clairement. Ah putain, ce fameux cube. Ah putain. Ça, il est culte aussi. Voilà. Ce cube, c'est un petit peu l'emblème. Il est devenu, au fil du temps, l'emblème de Portal. Ce fameux cube avec... c'est le cube de voyage. Hein, avec ses faces où il y a le symbole d'un cœur rose. En fait, la particularité de ce niveau... Je ne vais pas le faire. Hein, mais la particularité de ce niveau... c'est que il va falloir le garder avec nous tout du long. Regardez ici par exemple, pour passer là, je peux pas, c'est trop haut. Hop là, je suis obligé de me servir du cube. Et pareil ici, je ne peux pas aller au-dessus. Alors, on pourrait éventuellement penser que en faisant un portail ici, je pourrais y arriver, mais non. Parce que je peux certes faire un portail de sortie, mais où est-ce que je vais faire mon premier portail, celui où je vais rentrer dedans? Eh bien, je ne peux pas. Puisque, comme vous le voyez, il n'y a aucune surface disponible. Il n'y a que des surfaces métalliques ou alors des vitres là-bas. Et donc, je ne peux pas faire un premier portail qui me permettrait... Putain, mais au secours, sérieux. Au secours. Qui me permettrait d'y arriver. Et donc, comment je fais? Hop là, je reprends mon petit cube. Je le pose ici. Ce qui me permet, et voilà, d'aller en haut. Je le reprends. Là, on va s'en servir pour dévier le tir de la boule d'énergie. Parce que si la boule d'énergie nous touche, on crève, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, on fait pareil. Hop là, attention. Toujours pendant qu'évidemment que GLaDOS nous parle. Hein. Ça, c'est la seule narratrice. Oh putain, durant toujours. Attention là. Parce que là, il y a des ricochets partout. C'est souvent comme ça qu'on se fait avoir. Et voilà, et là on se retrouve dans la pièce principale de cette salle 17. Mais je ne vais pas, nous n'allons pas résoudre les énigmes qui se trouvent ici. On peut voir ici un générateur, donc dans lequel il faudra bien sûr mettre une boule d'énergie. Là-bas, il y a une autre énigme, et là-dedans, il y a une autre énigme. En fait, le but, je peux au moins vous dire le but, il faut que je parle doucement, voilà. Il faut que je parle doucement. Alors, quel est le but, les enfants?
Non, le but va être de réussir à surélever ces trois plateformes que nous voyons ici pour faire en sorte que l'on puisse atteindre la sortie qui se trouve par là. Voilà, parce que sinon, on ne peut pas y aller. Même si j'emmène mon cube ici et que je m'en sers pour me surélever un petit peu plus haut, ça ne servira pas à grand chose, on ne pourra toujours pas. Le seul but est vraiment de réussir à surélever ces trois plateformes. Et donc, il y a trois énigmes qui se trouvent ici. Mais très clairement, on va s'arrêter là. Tenez, allez, un dernier truc. C'est le dernier truc que je vous montre. Vous voyez, ici, il y a encore une de ces fameuses pièces dont on n'est pas censé y aller. On peut y aller d'ailleurs. Regardez, j'ai un portail là. J'en mets un ici, et voilà. Ça fait très cellule de prison, hein. Vous voyez, c'est... She's watching you. Avec un dessin, des caméras. Bip. Vous voyez, plein d'inscriptions partout. Des photos dont les visages ont été masqués ou ont été échangés par le fameux cube de voyage. Pareil, là, pour la pin-up sur le calendrier... Plein de photos du cube de voyage. Peut-être qu'ils auraient dû mettre des cadavres. C'est fou ça. C'est dingue ça. Je ne peux plus parler, nom de Dieu. Peut-être qu'ils auraient dû mettre des cadavres ici. Pour vraiment montrer qu'on n'est pas les premiers à venir ici. Et qu'il y a vraiment il y avait déjà des cobayes qui avaient réussi à atteindre cet endroit. C'est excellent quoi. Ça fait un petit peu une ambiance à la Cube, si vous connaissez le film. Enfin, ou les films, d'ailleurs. Je dis, ah mais attendez, je suis con, je peux pas ressortir par là. Il faut que je sorte par là. Les films Cube. Bah, j'ai envie de dire le film parce que le premier est le seul qui est digne d'intérêt. Ou on va dire qui est à peu près correct. Hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Hein, mais le premier film Cube est pas mal. Les deux autres sont des bouses absolument infâmes. Et c'est un petit peu pareil, quoi. C'est-à-dire le concept de mettre des humains dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et pour seul objectif leur survie, réussir à atteindre les sorties. Voilà. Et leur donner des énigmes à résoudre. Cube, c'est un petit peu ça. Pas exactement, mais c'est un petit peu ça. Ben là, c'est un petit peu la même chose avec ce portail. Allez, on s'arrête là. Est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire? Tes commentaires des développeurs. Effectivement, je n'en ai pas parlé. On peut se refaire tous les niveaux du jeu. Et dans ces niveaux, on trouvera des espèces d'icônes à bulles. Et si on les active, eh ben on aura, comme son nom l'indique, les commentaires des développeurs. C'est-à-dire que les développeurs vont nous expliquer... pourquoi ils ont construit telle pièce de telle façon, quelles étaient leurs idées, où est-ce qu'ils ont été puisés, leur inspiration, pourquoi ils ont fait ça comme ça. Et c'est très 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 intéressant, un petit peu à l'image de ce qu'on a dans certains DVD, quand on a les réalisateurs du film qui nous expliquent un petit peu comment ils ont conçu leur film, leur vision de la chose. Voilà, c'est ça. Pour les commentaires des développeurs de Portal. Alors, autre chose dont je ne vous ai pas parlé, ou très peu, donc je vous l'ai dit, il y a 19 niveaux en tout. D'ailleurs, pour la petite information, le niveau 19 à lui seul est quasiment aussi long que tous les autres niveaux du jeu. En fait, ça va crescendo. Déjà, le niveau 18, il est quand même assez balèze. Hein. Il est plus long que les autres, il est également plus balèze. Mais le 19, il doit falloir une heure. Quand on le fait pour la première fois, il faut au moins une heure pour le finir. C'est le minimum, une heure. Et vu qu'il faut à peu près une heure pour faire la compilation de tous les autres niveaux, ben effectivement, on peut dire que le dernier niveau est aussi long que les autres. Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, j'ai vraiment été surpris. Moi, quand j'ai fait le jeu la première fois en 2007, c'est que quand tu commences le jeu, tu te rends compte que du niveau 1, tout ça, en fait, tu passes tous les niveaux comme ça en 30 secondes, en 1 minute, donc tu te dis, ouais, c'est pas mal, c'est vrai qu'esthétiquement, il y a quelque chose, effectivement, il y a une ambiance et tout, mais enfin, le jeu, je vais le torcher en 20 minutes. Et tu te rends compte qu'à partir de la 13, putain, ça commence vraiment, vraiment à être intéressant, et plus t'avances, plus c'est intéressant, le 17, encore plus intéressant, le 18, il y a encore plus d'idées qui foisonnent de partout, très intéressant, je te dis, putain, c'est vraiment bien. Dommage que le 19, ça soit la fin, et là, tu te rends compte, putain, que le niveau 19, il est unique et qu'il dure une heure.
Et là, t'es sur le cul, nom de Dieu, quoi. T'es sur le cul. Surtout. Non, j'en dirai pas plus, sinon je vais vous spoiler. De toute façon, Portal, c'est un jeu à faire. Moi, je vous dis, c'est un jeu à faire. Et donc, une fois que l'on termine le jeu une première fois, on peut se refaire les niveaux du 13 au 18. Je vous l'ai dit, tous dans une version avancée, le niveau hard, en somme. Mais on tentera de faire ça en vidéo défi. Mais il y a également autre chose. On a un challenge avec un nombre de portails maximum que l'on pourra utiliser. Où on pourra faire, il faudra faire le moins de pas possible avec notre personnage. Et encore un dernier, moins de temps, donc on aura un timer. Voilà. Par exemple, là, il faudra faire dans la salle de test 13 moins de 40 secondes pour accéder à la troisième place du podium. Donc pour avoir la médaille de bronze. Parce que oui, vous voyez, il y a également un podium. Regardez, si je remets le défi, le challenge de le faire en un nombre de portails requis. Pour la salle de test 13, vous pouvez voir que mon record, j'ai réussi à faire 5 portails. Je suis seulement sur la seconde marche du podium à gauche. Vous voyez, j'ai la médaille d'argent. Pour que je puisse avoir vraiment la médaille d'or, il faudrait que je fasse seulement 4 portails. Mais je ne sais pas comment faire. Donc, moi, je resterai seulement sur la médaille d'argent. Et je peux vous dire que le mec qui arrive à avoir la médaille d'or dans tous les niveaux, et pour tous les défis, pour tous les challenges, et bien franchement, King of the World. Le mec, c'est le champion du monde. Non mais vraiment, là c'est champion du monde. Tout simplement champion du monde. Voilà, mais écoutez, je crois que là on a bien fait le tour de ce que je voulais vous expliquer, de ce que je voulais vous montrer. Donc petite conclusion pour finir, je vais pas me répéter. Portal, vous l'aurez compris, c'est un jeu que je vous conseille à 1000%. C'est, pour ma part, c'est un coup de cœur. Je commence à en avoir marre de cette toux. Pour ma part, c'est un coup de cœur, très clairement, c'est un coup de cœur. Les jeux comme Portal sont trop rares. Des jeux qui innovent véritablement, qui ont un gameplay innovant, à la fois innovant, intéressant, original, mais aussi très fun. C'est-à-dire que le jeu n'est pas chiant pour autant. On a toujours envie d'avancer. On a toujours envie de trouver la solution, de trouver la solution à l'énigme, voyez, qui s'offre à nous. Et on s'éclate, tout simplement. On s'éclate avec ce système, avec ce concept de portail, pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ah putain, alors donc on peut aller au plafond. Ah mais ça, donc on peut faire ça. Voyez, rien que découvrir les possibilités que nous offre le gameplay du jeu, rien que ça, ben c'est déjà le panard absolu. Vous voyez ce que je veux dire? Et à côté de ça, il y a tout le reste. L'esthétique du jeu, le design global. J'ai totalement surkiffé le design du jeu. L'apparence de tout ce qui fait le jeu. Les décors, les rares ennemis que l'on va croiser, les cubes. Alors, rien que le côté simpliste des décors, parce que quand on le voit comme ça, on se dit « Ouais, d'accord, c'est quand même pas très très... très... » pas très élaboré, mais au final c'est pas grave parce que ça donne au jeu un côté le jeu du coup il est unique, le jeu il réussit à avoir sa propre identité grâce à ça parce qu'il a un style, voyez, voilà, avec des décors très épurés, très clean comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'adore complètement ça. Franchement, j'ai totalement kiffé ce truc-là. L'ambiance sonore, tout à l'heure, je vous en ai un petit peu parlé, c'est un truc de fou. On n'a pas de véritable musique, hein, à part évidemment, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, la chanson, bien sûr, du générique de fin, hein, qui est devenue culte, bien sûr, Still Alive, est totalement cultissime, hein, qui est d'ailleurs, pour les rares personnes qui ne le savent pas, mon générique de fin dans toutes mes vidéos, depuis maintenant 3 ans ou 3 ans et demi, depuis que j'avais joué à Portal, forcément, et ben il vient de là. Voilà, c'est une petite partie de cette chanson, Still Alive, et donc il fait office de générique final de Portal. Voilà d'où vient le ending de toutes mes vidéos. Maintenant, les rares personnes qui ne le savaient pas, et bien, vous le savez. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous aurez un ending spécial, concocté par Silvafilm, mais qui au départ n'avait pas été fait spécialement pour cette vidéo, c'était une espèce d'essai qu'il avait fait. Vous n'auriez d'ailleurs jamais dû voir ce ending, mais je vais quand même vous le mettre, parce que vous allez voir que le Silvafilm, c'est énorme. Vous verrez. Il a fait un cube portal chaton.
Il a fait le cube chaton, c'est énorme. Il a fermé en 3D et tout, qu'il évite sur lui-même. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc ça, vous le verrez dans lundi. Mais voilà, l'ambiance sonore, c'est un truc de dingo. Putain, c'est... Ambiance sonore de folie, on est totalement dans l'immersion de la chose. Les bruitages également. C'est rare que je parle des bruitages dans un jeu vidéo parce que souvent c'est assez banal. Mais là, les bruitages sont en parfaite cohésion avec le visuel. Il y a de l'écho, c'est assez aigu, c'est génial une fois de plus. GLaDOS, voilà, l'humour noir de ses répliques, le côté malicieux. Voyez, de l'ordinateur, de cette intelligence artificielle. Ça peut faire penser à HAL de 2001. Hein. Beaucoup de testeurs l'ont dit dans leurs tests écrits, mais effectivement, moi déjà je vous l'avais dit, je crois bien, il y a 3 ans et demi quand j'avais fait une première vidéo, mais bien sûr que ça fait penser à HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, Carl en version française. Évidemment, évidemment. Mais voilà, moi j'ai totalement surkiffé Porta, tout simplement. J'ai tout adoré dans ce jeu. Pour moi, il n'y a rien à jeter. Certes, il est court, mais ce n'est pas un défaut pour moi parce que ce n'est pas un véritable jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Le véritable jeu, il arrive. Il est là. C'est Portal 2, les mecs. C'est Portal 2, il est là. L'un des jeux de l'année, peut-être le jeu de l'année 2011. Il est là. Il est là. Achetez-le. Achetez-le. Soyez sympa, ne le piratez pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire, sérieux. Les mecs, c'est Valve qui l'ont fait, c'est pas Activision, hein, c'est pas, ok, c'est pas du Call of Duty là. On a du Portal, on a un concept. Les jeux comme ça, faut les acheter, faut pas les pirater, ok? Valve, ils ont toujours fait, ils ont toujours été sympas. Sur Steam, ils font plein de promotions de ouf. La Orange Box, c'était l'affaire du siècle. S'il y a bien un jeu qu'il ne faut pas télécharger, hacker, pirater, c'est bien Portal 2. Donc, ayez du respect pour ces développeurs de chez Valve, qui ont du talent, qui sont des passionnés, et achetez le jeu. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.